vrai que je vous ai pas encore dit ce qu'on fait aujourd'hui. Ben en fait, vous l'avez sûrement vu dans le titre en fait de la vidéo. On va au salon de l'auto de Lyon, alors qui est à Chassieux précisément, c'est à Eurexpo qui est à Chassieux, mais ça représente Lyon. On va voir les merguez là-bas, les petites nouveautés. Voilà, les merguez en plastique avec des matériaux recyclés et deux fabs de catalyseurs et des motorisations hybrides et électriques. Donc go. Arriver à Lyon. Bon, ce qu'il nous reste à faire, parce que c'est pas entièrement fini, ce sera d'aller chercher Seb ce soir, qui arrive du coup à la gare de Lyon-Pardieu, hein, l'espèce de gare centrale de Lyon. Voilà, je vais rester là parce que c'est pas très lumineux, il n'y a qu'une seule fenêtre ici. Alors je suis dans un hôtel et c'est la première fois que je suis aussi haut dans un étage, parce que je suis au 7ème. Voilà, bon, il n'y a aucune vue, hein. C'est. Voilà. Il n'y a rien du tout. Et puis en plus, au niveau de la fenêtre, il y a le plumard. Donc du coup, pour les vues de la fenêtre, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Voyez-vous. Donc demain, eh ben, on va à Eurexpo. Et je vais me trinque-baller ça demain aussi. Voilà, globalement, c'est fini pour cette première journée. Hein. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose, à part des petits plans courts du voyage. Comme je disais, ce soir, on va chercher Seb, on va bouffer au resto, et c'est tout. C'est demain le plus important, donc aujourd'hui... Et puis voilà, là... Alors, petite histoire, c'est que là, en off, je vais essayer de choper un Apple Store. Il y en a deux à Lyon. De chaque côté du Rhône, en fait, il y en a un, c'est l'Apple Store Confluence, et il y en a un de l'autre côté qui est l'Apple Store Pardieu. Et je suis con parce qu'il est dans le centre commercial Westfield Pardieu à Lyon. Et cet Apple Store-là, j'ai pas compris. Il y avait deux files pour rentrer. Une file si t'avais rendez-vous, ouais, et une autre file si t'avais pas rendez-vous. Mais c'est tel que c'était indiqué, t'avais l'impression que c'était une file où tu venais là. Parce que réellement, tu avais quelque chose à foutre dans un Apple Store. Genre, amener ton iPhone ou ton MacBook ou ton iMac en réparation, ou récupérer une commande, tu vois. Mais pas juste pour rentrer et faire « Waouh, c'est beau. Waouh, l'iPhone 15, il est beau. Oh. » Et puis te casser, tu vois. C'est expliqué d'une manière où tu viens parce que tu as quelque chose à faire. Tu viens pas parce que t'es visiteur et tu veux juste voir la galerie des arcs et le stand avec tous les iPhones, tu vois. Et ça, donc, c'était à l'Apple Store Pardieu. Donc, ça m'a semblé bizarre. J'ai du coup en off essayé d'aller à l'Apple Store Confluence. Et puis, je vais voir. Là, il me reste globalement 3 heures, un petit peu plus de 3 heures, avant que Seb arrive et avant que Lyon explose. Donc, il faut savoir une chose également, c'est que le salon automobile de Lyon, j'en profite pour faire la parenthèse, donc c'est un salon automobile qui est là déjà depuis pas mal d'années. Hein, je l'ai appris à mes dépens. Et, beaucoup disent que c'est un petit peu le modèle des anciens salons automobiles que je dirais je n'ai pas connu parce que il n'y a que très peu de temps que je m'intéresse au salon automobile. Et donc, en fait, voilà, beaucoup disent que c'est un peu le retour du modèle des anciens salons automobiles où genre t'as plein de monde, plein de constructeurs qui viennent exposer leurs nouveautés à l'ancienne, quoi, vraiment les vrais. T'as quand même encore des constructeurs chinois de voitures électriques, etc., qui sont là, BYD, c'est notamment eux, Tesla, et puis d'autres. Mais bah, on verra demain. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une visite pour la majeure partie, on va dire plutôt partielle. Il y a des modèles où on va aller vers les modèles, on va faire « Oh, c'est beau !»
il y a beaucoup d'autres modèles où moi j'ai pris des notes, j'ai des informations à vous donner, des modèles qui m'intéressent et que je veux vous partager donc dans cette vidéo au format vlog. Allez, c'est tout, j'arrête là, j'en ai un over, juste Seb à aller chercher ce soir et ce sera vraiment over de chez over. Ah oui, j'ai oublié quelque chose moi. Je dois vous prévenir que pour cette vidéo, c'est quoi cet audio ? L'authentique micro Carrefour à 2€. Alléluia, mes frères, il est de retour. Je vais en avoir besoin pour filmer au salon parce qu'avec l'audio et le brouhaha qu'il va y avoir là-bas, ça va être un enfer pour capter l'audio. Donc, si je le pose là, c'est cool. Hein. Regarde. Bienvenue sur France 3 Rhône-Alpes. Le maire est décédé. Au revoir. Alors, clairement, c'est un gros test. Je vais pas prendre l'audio directement avec le micro stéréo du Lumix qui filme cette vidéo. Je vais prendre l'audio avec ce truc-là là, qui est branché en jack. En jack vers le Lumix Z1000 qui fait cette vidéo. C'est le gros boîtier que vous avez vu dans le miroir de la salle de bain là, tout à l'heure. Et je vais me trimballer ça en permanence. Comme ça, tu sais. Genre, je vais me mettre à peu près cette distance pour qu'on m'entende parler. Mais à mon avis, on entendra beaucoup le brouhaha. Le bruit ambiant, à mon avis, là, si je me tais déjà, on entend, j'ai la fenêtre que j'ai ouverte un petit peu pour aérer. Et déjà, si je me tais là maintenant, je crois qu'on entend la circulation dehors et la clim. Donc bon, dans tous les cas, on va voir, l'audio devrait quand même être mieux avec ça qu'avec les micros de l'appareil photo. Et puis au pire, si l'audio, c'est pas encore ça, bah de toute façon, il faudra faire avec, parce que je vais pas refaire une prise, je vais pas revenir à Lyon par la suite pour refaire une prise, parce que l'audio était à chier, tu vois. Le trajet, c'est long quand même, donc... Allez, au revoir. J'oublie mes lunettes. Voilà, là je m'en vais vraiment, là, au revoir. Il arrive sur son cheval blanc et il était temps, on voit là-bas, ici, derrière, en petit, là, là, le cavalier solitaire. Le cavalier solitaire, mon adjudant-chef. L'adjudant-chef, ma sœur. Bonsoir. Mon adjudant. Putain. Quelle enflure. Mon adjudant, il va m'en mettre un troisième, allez. Putain. Acheter des iPhone 14 Pro parce que l'iPhone 15 c'est de la merde. C'était le petit placement de produit de ce soir. Bonsoir, welcome to the prices, right? 4-0. Ah bâtard! Il me tend la main! Mon adjudant chef. Adjudant juste, pas chef. Et adjudant chef quand même. Bon, c'est la graille hein, ce soir là. Enfin, bientôt fini, on peut pas dormir tranquille ici. Normalement, au montage, je vous ai mis un truc plein de couleurs et si j'ai réussi, ça se trouve, j'ai pas réussi. Bon voilà, cette fois-ci, la première journée est vraiment terminée et puis on va aller manger et demain c'est le salon de l'auto. Donc voilà, allez, première journée cette fois-ci vraiment over. Ça, je le dis, vaut mieux s'économiser. Dimanche 1er octobre, on est en octobre, c'est un enfer. Bon bah c'est aujourd'hui, mais pour l'instant, faut déjà qu'on se rappelle où on habite et qu'on bouffe en petit déj, parce que c'est compliqué. J'ai une particularité moi personnelle, c'est que avant le petit déj, je suis bon à rien. Mais vraiment, mais une loca, comme on dit en ch'ti, une loca poussière. Je sais rien faire. Il faut que je prenne un petit déj. Sinon ça va pas. Ça va pas genre je vais faire un malaise, machin tout. Non. Ça va pas genre me fais pas chier frère parce que ça va mal se passer. Et dans ces moments-là, là, comme ça, là où je me mets à vloguer, genre 10 minutes après m'être levé là, du lit là, qui est juste là, hein, ben je prends sur moi en réalité parce que.
Et là, notre mission avec Seb, c'est d'être au salon de l'auto pour l'ouverture qui est à 10h, ou un tout petit peu après, mais un tout petit peu après, à mon avis, genre pas plus tard que 10h30, quoi. Donc, on va pas traîner. Petit déj. C'est là qu'il intervient. Le micro Carrefour à 2 euros. C'est là qu'il entre en scène. Ah, c'est là qu'il entre en scène, le gars. Il a intérêt à être bon, là, parce que vu qu'on est arrivé. Alors, par contre, ouais, il y a encore quelques petits soucis techniques d'adaptation, tu vois, à avoir. Bon, incroyable. Donc voilà, donc là, en arrivant, on est au niveau de la place des Lumières, hein, que vous avez vu sur le passage juste avant. Et c'est là que, du coup, en rond, en cercle, là, il y a toutes les dernières voitures électriques. Comme on le voit juste ici là-bas, pile au milieu de l'écran, ça c'est la Audi e-tron GT. La blanche derrière, c'est la C4 électrique. Et on a la Honda e-ny1. Ça, ouais, ça. Et le MG Marvel Air juste à côté, quoi. Donc c'est parti pour la visite. C'est mal cadré, mais je m'en bats les... C'est parti pour la visite. Seb qui s'est mis dans l'idée d'aller faire le... J'ai du merguez con de chaud. Hein, bravo. J'avais perdu, hein. Mais c'est pas une broquin, moi je vais me venger. Mais c'est pas chez toi. Mais c'est pas chez toi, hein. La petite roue là qui est au fond, là, on va voir. Il y a des petites parties de bowling des toits gagnées, mais ça va être par ici aussi. Donc faudra qu'il revienne s'il veut faire le bowling. Faudra qu'il revienne sur Lyon un de ces week-ends. Hey, mais je m'en fous, je vais gagner. J'ai rien à foutre, d'accord. Gagne. Allez, gagne. Allez. Il s'est perdu. Dommage. Voilà, j'aime bien. Bon, c'est bon, j'ai pété la roue. J'ai pété la roue et j'ai gagné des lunettes de soleil. Mais j'ai gagné, m'en fous. Mais j'ai gagné. Et j'ai gagné comme au MTS. J'avais gagné l'abonnement NordVPN un mois gratos. Donc j'ai de la chance officiellement. Hein. C'est signé. Merci, salut. Allez hop. Enfoiré. Qui a effectivement visiblement oublié son parapluie. Son parapluie à thunes. Voilà, je répète, il n'a pas son parapluie à thunes. C'est bon ? Action ! Action ! Boum ! La Mégane du Seigneur, une i5 DC, 105 chevaux donnés d'usine par Renault, 240 Nm. La vie du pro, Médéric. Alors, chez Shiftech en tout cas, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moteur turbo, diesel, qu'est-ce qu'on peut faire, Médéric? Bah écoute, tout, hein, stage 1, un stage 2, un stage 3. Le stage 1, c'est juste sur la programmation. Stage 2, tu vas installer des pièces. Stage 3, on va remplacer le turbo. Donc voilà. Moi, je te conseille dans un premier temps de faire le stage 1 et le filtre. Tu viens, on la passe au banc, on voit si elle sort déjà 105 chevaux et 240 newtons. C'est ça, c'est 105, 240. Ouais. Une fois programmé aux alentours de 240 chevaux, 300 newtons. Ouais. À partir de... On doit être à 390 là-dessus, à partir de 390 euros. Tu viens, tu filmes, tu chopes la reprogrammation, tu testes, tu nous fais ton feedback et voilà. Et après, bah, je casse le bloc en deux. Non, nous, tu ne casseras pas. Le motif chez nous, c'est pour des performances plus dures. Tu vois, voilà. Exactement. C'est ça, je taquine, bien sûr. Normal. T'es de Lyon? Non, du tout, du nord de la France. Eh ben voilà, bah, donc on a Shiftech Lille, voilà. Shiftech Belgique, Shiftech Luc, Shiftech Paris, droite-gauche, Shiftech Strasbourg. Dans le nord, tu peux aller dans un de ces centres. Partout, ouais, on peut pas les rater. Sur le territoire. Tu peux aller jusqu'à Taïwan si tu veux. Voilà. Taïwan? Ouais. C'est beau, magnifique. Merci Médéric. Allez, plaisir, ciao, bon salon. Merci. Vous avez vu, de Vialet maintenant, après des enceintes de ouf qui valent 2000 euros pièce, ils font des voitures maintenant. C'est pas la même. Non. Quoi? Si t'arrives à lire, c'est écrit de Vialet, pas de Vialet.
Merde. C'est écrit devant de merde. Donc retourne à l'école, puis reviens. Vive l'éducation nationale. Bon alors, regarde là-bas au bout. C'est le stand pour aller manger. Et ils ont appelé ça le pôle position. Le pôle position. Are you kidding me? Are you serious, man? Non, bon voilà, on a fait ce qu'on voulait faire ce matin, cet après-midi. Et puis en plus, la petite interview de Méric là qui fait plaisir. Donc peut-être un jour, vous verrez débarquer sur la chaîne la carto de la Mégane. Peut-être, si je veux m'amuser un peu et la faire saquer. Ou peut-être juste voir ce qu'elle donne d'origine, tu sais. Avant de la vendre. Et là, cet après-midi, c'est la partie constructeur généraliste où il va y en avoir un peu et on va faire ça cet après-midi. Vraiment, les constructeurs généralistes et les nouveaux modèles qui arrivent ou qui sont déjà arrivés. Et puis en attendant, eh ben, on est juste. Ils sont où les mecs? Ils sont là derrière. Non mais c'est difficile de cadrer la météo hein, en même temps que de la faire. Bon bah ils sont là. Donc là le bon appétit à vous tous. Ouais bah voilà, hein, fin de compte j'ai mis voilà, hein, j'en fais une petite sortie de route avec la Porsche. Alors après j'ai fini dans le fossé. Alors j'ai essayé de le sortir moi-même du fossé. Puis bah j'ai pas réussi, j'ai dû appeler le dépanneuse. Mais alors voilà, j'en touchais un peu, c'est une petite touchette quoi, c'est rien. Cet homme est suspecté de faire des restaurations sauvages. Alors, avec un concert de klaxon en fond, on est arrivé chez Alpine qui nous présente juste derrière moi, on la voit plus ou moins selon le passage des gens, la A290 Beta qui préfigure la prochaine Renault 5 électrique sportive du groupe Renault. Elle est prévue pour fin 2024, donc ici c'est bien une version bêta, pour ainsi dire, vraiment une version concept qui est présentée. C'est malgré tout un modèle qui préfigure 84% de ce que doit être le modèle de série d'après. Alors c'est quoi son nom? Anthony Villain. C'est son nom, hein. Qui est donc le directeur du design de chez Alpine ou bien du modèle précis, je ne sais pas trop, j'ai pas l'info. Au menu, elle devrait pouvoir embarquer le bloc électrique de 220 chevaux qui équipe déjà la Mégane E-Tech chez Renault, associé à une batterie de 52 kWh en nickel manganèse cobalt. Et plus tard, on devrait avoir l'arrivée d'un inédit bloc de 150 chevaux avec la même batterie, mais c'est un bloc qui est totalement inédit au catalogue Renault et Alpine. Et ce bloc de 150 chevaux arrivera avec la Renault 5 classique chez Renault. Mais ce bloc de 150 chevaux, ça sera donc plutôt pour 2025. Les prix, alors pour l'instant rien d'annoncé officiellement, mais on commence à réfléchir, on se dit ouais, ce truc là ça devrait quand même valoir 40 000 balles pour la version 220 chevaux, sachant que la 150 chevaux sera donc moins chère puisque c'est des moteurs moins puissants. Et la version de lancement de cette Alpine A290 bêta, est-ce qu'ils vont garder le bêta après, je sais pas, sera équipée avec la version 220 chevaux puisque ce sera la première version disponible au catalogue de lancement. Cette année, MG frappe fort et nous sort ça là, c'est sur quoi je suis assis là, la MG4 X-Power. Alors, le programme, le catalogue. Écoutez bien mes amis, vous allez péter un jetard. 435 chevaux, 600 Nm de couple, 40 490 euros, bonsoir. Oui, 40 000 hors bonus, hein, parce que c'est 5 000 euros vu que c'est une électrique, soit 35 490. Vous prenez une petite boîte de Pringles à côté et vous vous en sortez pour une bagnole qui bat une Mercedes A45S AMG. Au programme de cette X-Power, on a deux blocs électriques
un à l'avant de 204 chevaux et un à l'arrière de 245 chevaux. Ça commence à causer quand même très fort. Avec là-dessus une batterie nickel manganèse cobalt de 64 kWh. Donc niveau puissance, on bat la Mercedes A45 SAMG, les Mégane RS également qui sont en voie de disparition puisque Renault Sport n'existe plus. Merci. Et même la dernière Honda Civic Type R. On les laisse tous derrière parce que c'est plus puissant. Le 0-100 est annoncé en 3 secondes 8 par MG. La vitesse max est malheureusement bridée à 200 km/h et l'autonomie est annoncée en norme WLTP à 385 km. Et ça, du coup, c'est donc la MG4 X-Power. Mesdames et messieurs, au revoir. Et on arrive chez Mazda où cette année il y a, alors c'est pas une révolution, mais ça arrive, en tout cas ça arrive bien, bien comme il faut, c'est ceci là, sur le truc dans lequel je suis monté, le Mazda MX-30. Alors faut que je lise ma fiche là parce que c'est compliqué. E-Skyactiv REV. C'est le retour du sacro-saint moteur rotatif chez Mazda. Amen. Et oui, dans ce MX-30 E-Skyactiv R mon cul avec là. On va pas y arriver. Mais en fait, c'est le modèle hybride rechargeable du MX-30 qui existe donc en full électrique, qui est le MX-30 EV. Sauf qu'ici, le moteur thermique qui est mis dedans, c'est un moteur qui sert simplement à recharger la batterie qui est sur la voiture, simplement. C'est le moteur électrique qui fait bouger la voiture. Lui, le moteur thermique, il est juste là pour remettre de l'électricité dans les piles. Dans les piles, ouais. Dans les piles. Les piles. Et ouais, après, dans le jardin, ça fait des piliers après. Que là, celle-là. Et la particularité de ce moteur thermique, et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu chez Mazda, parce que c'est un peu les derniers à le faire, c'est un moteur qu'on appelle rotatif. C'est-à-dire, en fait, je vous la fais simple, c'est un espèce de rotor à l'intérieur en forme de triangle qui tourne et qui fait moteur. Voilà. Et donc, ça sert de prolongateur d'autonomie électrique. C'est un moteur rotatif à simple rotor de 74 chevaux et 830 cm3 de cylindre. La batterie qui est embarquée sur ce MX-30 E-Skyactiv REV, oh, j'ai réussi. Elle fait seulement 17,8 kWh. C'est une toute petite batterie qui est plus petite que sur le modèle électrique. Et c'est une batterie lithium. L'autonomie globale annoncée par tout ce système, tout ce bloc, elle est portée à 680 km. On parle bien d'une autonomie globale électrique plus thermique, hein, dont 85 km possible en full électrique, en mode EV total. Les prix de ce MX-30 E-Skyactiv REV, encore une fois, j'ai réussi, merci beaucoup, sont annoncés à partir de 38 250 euros hors bonus, parce que du coup, vu que c'est hybride, on peut avoir des bonus. Et c'est le même prix, c'est étonnant, c'est le même prix que la version full électrique du Mazda. Pardon, mais comment vous faites? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une fourberie, hein? Forcément, j'ai pas compris. Enfin, que voulez-vous? On passe à la suite? On passe à la suite. Et là, du coup, on vient d'arriver à la maison, c'est-à-dire chez Tesla. Avec juste derrière moi, là, avec le coffre, le frunk, pardon, on appelle ça ouvert, bah, la nouvelle Model 3 restylée, qui reste encore à l'heure d'aujourd'hui l'électrique la plus abordable du marché. Peut-être juste derrière la MG4 X-Power, peut-être. Avec les bonus, ouais. La plus abordable donc du catalogue d'Elon Musk de chez Tesla se remaquille et on a deux nouvelles couleurs. Alors ça doit être le rouge ultra, ce que vous êtes en train de voir derrière. Il y a également le gris je l'ai noté, Stealth. À l'intérieur, plus aucun Komodo, c'est le gros changement de la Model 3 de cette année. Il n'y a plus de Komodo clignotant, c'est sur le volant. Nouveau volant d'ailleurs que j'aime pas trop personnellement, mais ça n'est que personnel. Et la commande de boîte se retrouve sur l'écran tactile de 15 pouces pour le système multimédia. On peut retrouver également un rappel de ce système multimédia à l'arrière, comme dans la Model S, avec un petit écran situé au niveau de l'accoudoir central, avec deux bouches d'aération pour régler donc la clim et le système multimédia, regarder YouTube, Netflix, Disney+,
voilà ce que vous voulez. Tesla annonce 513 km d'autonomie pour la version propulsion de sa nouvelle Model 3 et 629 pour la grande autonomie Dual Motor. Les prix, eh bien, ils ont augmenté de 1000 euros par rapport à l'année dernière et on commence à 42 990 euros pour la version propulsion au lieu de 41 000 l'année dernière, 41 990, t'as compris. Et elle est toujours éligible du coup au bonus écologique de 5 000 euros. Et du coup, eh ben, on est un peu obligé techniquement de finir là-dessus, hein, puisque ben, toutes les batteries sont en train de nous lâcher. Le Lumix a plus de batterie, l'iPhone de Seb qui filme cette vidéo a presque plus de batterie. Donc je finis là-dessus, on finit avec Tesla. Et puis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine. Hein. Et puis abonnez-vous. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est au début, abonnez-vous. Et les réseaux sociaux de la chaîne qui sont dans la description. Voilà. Des bisous. Ciao, ciao. Hop là, je m'en vais avec le micro, moi je suis malade. Hein. Ah ouais, il y a un fil. Ah merde. Bon, bah, trop tard.